Alors que sa fille s'apprête à enflammer la mi-temps du Super Bowl, Ronald Fenty, le père de Rihanna, a fait quelques confidences sur la chanteuse et son rapport à la maternité dans les colonnes de page 6, samedi 11 février. Si est-il effervescence? À quelques heures du Super Bowl, la finale du football américain, les fans de Rihanna du monde entier retiennent leur souffle. Invité pour assurer le show de la mi-temps de cet événement qui rassemble plus de 200 millions de téléspectateurs, la diva compte bien enflammer le public et faire un retour très remarqué. Il faut dire que la jeune milliardaire n'était plus montée sur scène depuis 2018 et n'avait pas sorti de single depuis 2017, avant Lift Me Up, dévoilé en octobre dernier. Femme d'affaires accomplie, la chanteuse se consacre en effet depuis plusieurs années à sa vie personnelle mais aussi à ses marques Savage Fenty et Fenty Beauty. Le 13 mai 2022, l'ex de Chris Brown donnait également naissance à son premier enfant, fruit de ses amours avec le rappeur A$AP Rocky. Le petit garçon est venu combler de bonheur ses parents, mais aussi Ronald Fenty, qui n'est autre que le papa de Rihanna. Si leurs relations ont longtemps été compliquées, à cause notamment de la dépendance au crack de Ronald Fenty, père et fille ont aujourd'hui des rapports beaucoup plus apaisés. Elle va me tuer si je vous le dis. Aujourd'hui réconcilié avec sa fille, Ronald Fenty n'hésite pas à faire régulièrement quelques confidences sur la star dans la presse. Et samedi 11 février, il s'est notamment livré à page 6 sur la maternité de Rihanna et sa nouvelle vie de maman. Il a notamment révélé qu'elle adore être maman et qu'elle était une mère très surprotectrice. Interrogé sur le prénom de l'enfant, toujours secret à l'heure actuelle, le grand-père ne cesse pas risquer à la confession, « Elle va me tuer si je vous le dis », a-t-il déclaré avec humour. Quant au père, A$AP Rocky, Ronald Fenty n'a pas tari d'éloges sur son gendre en affirmant qu'il s'agissait d'un type tellement cool, très respectable et qu'il assumait très bien sa paternité. Voilà qui devrait donner le sourire à Rihanna.